Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ouvrir le bunker 10, le bunker 3 et le bunker 1 de Warzone, et je vais même vous montrer comment vous allez pouvoir ouvrir trois petites cabanes qui sont dans la map. Alors pour commencer, voici comment ouvrir le bunker 1 qui se trouve en B7 sur la map, comme vous le voyez dans le gameplay. Alors là, vous allez devoir noter le code 9796413 8. Ensuite, quand vous aurez noté le code, le bunker s'ouvrira. Alors maintenant, on passe au bunker numéro 3 qui se trouve dans la case B5 sur la map. Donc là, le code que vous allez devoir taper, c'est 8 7 6 2 4 8 5 1. Ensuite, le bunker s'ouvrira et vous pourrez aller à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous montrer le bunker numéro 10, là où il y a carrément un missile nucléaire dans la pièce. Donc ce bunker se trouve dans la case F8 sur la map, comme vous le voyez dans le gameplay. Et là, vous allez devoir entrer le code 6027453. Ensuite, vous aurez ouvert le bunker numéro 10 et vous pourrez aller fouiller tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous montrer trois petites cabanes qui se trouvent dans la map. La première cabane que je vous montre se trouve en H6. Le code, c'est 4 9 2 8 5 1 6 3. Vous rentrez ce code et ensuite la porte s'ouvrira et vous pourrez fouiller ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, la deuxième cabane que je vous donne, c'est celle qui se trouve en H8, comme vous le voyez dans le gameplay. Là, le code que vous allez devoir taper, c'est 7 2 9 4 8 5 3 1. Pareil, vous rentrez dans la maison et vous voyez ce qui s'y cache. Et pour la dernière cabane qui se trouve en F4, il va falloir taper le code 2 7 4 9 5 8 1 0. Et là, vous pourrez ouvrir la cabane et entrer dedans et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Pour vous aider, je vous affiche tous les codes que je vous ai cités avec la référence de la map. Donc si c'est en H8, en F8, en B7, etc. Comme ça, vous avez juste à faire une capture d'écran et vous aurez les codes pour chacune des parties que vous ferez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Dumb, 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 d